Bonjour, Manon de la Source à la porte de l'âme. Aujourd'hui, avec ça doit être ma 9e capsule énergétique, je vais vous dévoiler un autre outil qui m'a aidé énormément en tant que thérapeute de l'âme dans mon travail énergétique et vibratoire et sur la Terre aussi dans mon 3D. Si je vous dis me désire et me réclame maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Je m'avais à un moment donné dans une boutique ésotérique et la même part seule sur un petit livre tout mignon. Je la jette. C'était vibratoire. Et j'ai découvert cette merveilleuse phrase-là, me désire et me réclame maintenant. Suivez-moi bien. Quand j'ai commencé thérapeute de l'âme, je me disais ceci, comme vient du mot. Oh, je vais avoir des clients. Je vais avoir des nouveaux clients. Oh, je veux des clients, je veux des clients, je veux des clients. Erreur pour moi. Je me suis mis à dire, j'ai des merveilleux et extraordinaires nouveaux clients qui me désirent et me réclament maintenant. C'est pas moi qui veux, c'est eux autres qui me veulent. Hein? Oui, oui, on inverse. On dépolarise, on repolarise. Me désire et me réclame maintenant. J'ai un merveilleux, extraordinaire amoureux qui me désire et me réclame maintenant. Il m'aime tellement. Ah, oh, c'est merveilleux, c'est l'harmonie. Maintenant. J'ai un surplus financier d'argent, là. Wow, que de surprises qui me désire et me réclame maintenant. J'ai une santé, là, retrouvée, merveilleuse. Là. Wow, je déborde d'énergie. Ça me désire et me réclame maintenant. Ça me court après. Ça me veut, ça m'a trouvé la santé, là. Puis, elle me lâche pas, là. Je déborde, me désire et me réclame maintenant. Ben oui, j'en ai fumé du bon. J'adore. Je vous explique. Le soleil, là, ça fait longtemps qu'il existe. Je ferme les yeux. Est-ce que je le vois? Non. Il sert à quoi, les yeux fermés? À rien. Il est toujours là. C'est à moi de le regarder. Hein? Sinon, il n'existe pas. Il ne sert à rien. L'oxygène, quand je me suis levée ce matin, là, est toujours là. Je ne peux pas dire, oh, j'en veux 75% ici, 25%, il m'en fout, là. Il est toujours là. Je ne la respire pas. Elle sert à quoi? À rien. La fortune, la santé, la vie amoureuse, c'est tout est là. Si je ne les vois pas, si je ne les demande pas, me désire et me réclame à quoi que ça sert, bien, ça sert à d'autres. Ah! Me désire et me réclame maintenant. J'ai souvent des personnes qui viennent voir qui ont un grand cœur puis oh, qui veulent des clients, ils veulent que ça roule. Je dis, inverse-moi ça. Et là, c'est une prise de conscience. Écoute, tu es sincère. Tu n'es pas de croche, tu n'as pas de titre. Ça va être honnête et plein d'amour. Il y a du monde qui a besoin de toi. Donc, inverse. J'ai des merveilleux clients là, qui sont tannés de se faire avoir, d'avoir du monde qui ne croche pas honnête. Mais là, ils t'ont trouvé. Oh, elle est sincère, elle est de cœur. Ah, oh, mon Dieu, je la veux, je la désire, je la réclame maintenant. Ça change la donne. Là. Donc, je disais souvent, une vingtaine d'années, j'ai 10 nouveaux clients qui me désirent et me réclament maintenant. Puis là, je le vibrais, là, puis je suis sincère, avec amour, puis ça, oh, ça va aider. Après ça, quand j'en avais eu 10, bien, j'en repartais à 10 autres. Ah. Comprenez-vous? Quand je dis j'ai une meilleure fortune financière, un surplus d'argent qui me désire et me réclame, bien, j'ai eu des cadeaux dans la vie. Je ne m'attendais pas à ça. Mais oui, tout est là. C'est sur un plateau, servez-vous. Me désire et me réclame. Ça aussi, c'est important. J'ai un merveilleux troisième œil qui augmente, qui triple, qui double pour le bien de tous, de mes cellules, pour à 100%, qui me désire et me réclame maintenant. C'est pas moi qui ai un troisième œil. Il est prêt, tout est là, là. La clairvoyance, tout est là, là. Boucher. Non, non, rouvre. J'ai un beau troisième œil qui me désire et me réclame maintenant. Puis je vois tellement de belles choses sur mon écran mental. Waouh, c'est divin, merci la vie. Waouh, c'est pour 100%. J'ai des mains énergétiques, là. Waouh, qui me désire et me réclame. Ça change ça. J'ai une merveilleuse équilibre émotionnel maintenant. Mm-hmm. Qui me désire et me réclame maintenant. Hey, j'ai toute une racine qui me désire et me réclame maintenant. Wow, ma taille en descendant est pleine, est pleine. Je suis très enracinée maintenant. Ah ben, regardons ça.
ce que ça va faire, c'est que la vie va vous amener ce qu'il faut. Pas vous à courir après ce que vous voulez pour votre enracinement. Laissez aller. Donc, c'est important de vous désirer, de vous réclamer maintenant, en dedans de vous, dans votre corps, âme et esprit. C'est important. Donc, apprenez à demander ce que vous voulez, avec amour, pour à 100%. Si vous ne le faites pas sous le bon bord, je vous le dis, ça va être temporaire. De toute façon, c'est des suggestions que je vous dis. En passant, si vous n'aimez pas ce groupe-là, vous n'avez qu'à le quitter, hein? Vous êtes libre. Moi, c'est gratuit, hein? Je le fais avec amour. Il faut que ça bouge, là. On peut tout avoir une merveilleuse, extraordinaire humanité qui désire et qui réclame la paix maintenant. Donc, la paix désire et réclame maintenant l'humanité vers la Terre, maintenant. Pourquoi je dis maintenant? Je vais vous expliquer. Comment je vais dire ça? Un temps linéaire et un temps circulaire. Ça, c'est un autre cue. Le temps linéaire, la majorité des humains ont le présent, passé et futur. Moi, quand j'ai déjà fait, il y a quelques années, une croisière, je m'en souviens. Bientôt, on va aller ouvrir notre chalet. Dans le futur. Donc, j'ai passé, présent, futur. Donc, ça, c'est important, c'est mon temps linéaire. Là, je suis une troisième, 3D. Quand je suis dans mon eau de la source, dans mon céleste, je suis dans mon temps circulaire. Ni passé, ni futur. Les animaux, la nature, les maîtres ascensionnés, Dieu, Jésus, Bouddha, sont là. Ils sont dans un temps circulaire. Moi, quand je fais une séance, je donne une formation, comme je vous parle, je suis là. Je ne suis pas en train de penser à l'épicerie par pharmacie, là. Je suis dans mon temps circulaire. C'est extraordinaire comment c'est. Inspirant comment ça rentre. Mais comment de personnes qui essayent d'avoir leur capacité, leur intériorité, qui ont la tête là, 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 là. Bonne chance! Ça prend un équilibre entre les deux, linéaire, quand c'est le temps, et circulaire. En haut, ils n'ont pas d'espace-temps. C'est important que vous faites vos demandes fixées d'ici 2 semaines, d'ici 1 mois. Maintenant, un animal, la nature, inquiétez-vous pas, le printemps va se faire, l'été va se faire, selon le cycle de la vie. Donc, c'est important de dire maintenant. Fixez du temps dans vos demandes, parce qu'en haut, il n'y a pas d'espace-temps. Ça arrivera quand ça arrivera, d'ici 2 semaines. Dans 3 mois, j'ai une belle réponse. Ben non, d'ici 2 jours, clair, net et précis. L'autre chose aussi, moi, mon guide, il était au chômage. Je ne demandais pas souvent de l'aide. Hey! Ils sont là, là, les anges, les archanges, Dieu, Jésus, Bouddha, comme vous voulez. Demandez-y de l'aide. Faites vos demandes. Sinon, on ne peut pas deviner. Ça prend un effort de votre part pour qu'il y ait un effort là, qu'il y ait une collaboration. Osez demander de l'aide. Osez demander un amoureux, une amoureuse. Osez demander vos dons, vos capacités. Osez demander votre enracinement. Osez demander à l'univers, à la vie, « Hey, mets quelqu'un sur mon chemin pour m'aider. Planer de telle situation, je veux m'enraciner, je veux faire ma ligne de vie, ma mission de vie. » Osez. Donc, osez demander. OK. Me désire et me réclame maintenant. C'est bien important et ça l'aide tellement. Donc, je vous souhaite d'utiliser me désire et me réclame maintenant dans votre cœur ce que vous désirez. Et moi, ce que je désire et me réclame maintenant, c'est la paix sur la terre, l'amour, le fun, vivre et laisser vivre, le libre arbitre, la santé et la vie qui nous désire et nous réclame maintenant. Je vous aime. Bonne réflexion.